Et lui les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Ryzen 3 Titan Lords sur PC. Je rappelle que le jeu m'a été offert par Péline à Noël. Et l'on va donc, comme je disais, continuer cette aventure. Nous sommes sur l'île de Kila, non loin de du village des indigènes. Je sais pas quel est leur nom exactement. J'oublie à chaque fois. Et on avance sur le pont pour voir ce qui se passe là-bas. Ah non, ma torche! C'est pas grave. Nous vaincrons même dans le noir. Non! Je me prends des baffes, c'est violent. Aïe! Est-ce que le gorille nous a vu ou pas? Maintenant, je pense que oui. Wow. Ça fait mal. Merci pour les soins. Voilà, on va patienter quelques secondes. On va laisser se battre entre eux. Non, c'est bon, non, il m'en veut plus à moi. Stupid giant creatures. Ah non. Mais je voulais fouiller le gorille, moi. Voilà. Looks like I found a good shaman. Hirutu seems to be the right one to help me. Wonderful. Then you'd better do as he tells you. He's your doctor now. Don't run off. I still require your services. How flattering. I can purify black hearts. I could never do that. I'm impressed. Now you can make your own medicine. The main thing is that it's profitable. Thanks for your help with getting the black hearts. And like I said, I hope they do help. But you'll need your spirit again if you want a full recovery. I'll help you as best as I can to make that happen. Allez, suis-moi camarade, on va se balader un peu. Ici, rien de spécial, là non plus, je n'ai pas envie de parler. Là, il n'y a rien de plus. Par ici, y a-t-il quelque chose à voir? Rien à première vue, donc on est venu ici un peu pour le vide, j'ai l'impression. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus à remarquer dans le coin. Ok, bon bah d'accord. Du coup, on va pouvoir remonter et aller voir ce qui se passe sur le coin tout là-haut, là-bas. Je suis curieux de savoir ce qui peut s'y cacher. Peut-être rien d'intéressant au final. Par contre, est-ce qu'il y a un tonneau d'eau à proximité? Ce serait cool. Ouais, j'en vois un là-bas, je crois. Voilà, ça fait toujours du bien de boire un coup. Hop, petite poupée vaudou, vol de perroquet, tout va bien. Que font tous ces singes ici, n'empêche? Il est KO, c'est bon. Non mais c'est pas la peine de continuer, Dus. C'est moi qui donne les coups, non mais oh, voilà, c'est bon. Et monsieur restera coincé indéfiniment dans le cordage. Je réussirai à terminer mes phrases aussi. Un singe innocent! Pauvre singe. Ah! Bati. What's this here? Inakos.
I see. I think it means the living spirit. A warrior. Stronger than anything material, he passes through humans and other creatures. His symbol is made of jade. He too is afraid of the spiders of the forest. Or does it say enemy of the spiders? No matter. I think Inarko's gifts were the spider leg and the jade symbol. Here. It's written on the stone. A huge chunk of jade is located in the northeast. And especially persistent spiders can be found to the southeast of Keela. There, you should find an extremely sturdy spider leg. That makes perfect sense. Indeed, it wasn't easy to find that thing. Doesn't matter. We've got it now. On va récupérer la pierre. Ensuite, y a-t-il autre chose à voir ici? Bon là, c'est cassé, on n'ira pas plus loin. Et j'ai envie d'éternuer, pardon. Oh, fleur bleue! Romantique, comme c'est mignon. Ce que j'étais en train de penser, je me suis dit, on est tous fleurs bleues, pour le coup, et... Et voilà, sympa, sympa le petit truc là, c'était joli. Un perroquet, encore un singe innocent, bon, on va éviter de le tuer, ce serait pas sympa de notre part. Il peut y avoir grand chose d'intéressant là-dedans. Nouvelle pierre de téléportation, ok, et allons voir ce que la demoiselle a à nous raconter. Bonjour madame, ravi de vous rencontrer. You are Gojo from Faraway Kampa, Ville Edges. Ni ataka stories, Faraway Kampa. You know stories. Ah, c'est pas bien de les voler. On va éviter. Pourquoi voulez-vous écouter les histoires? Très bien, laissez-moi vous dire quelque chose, commerçons. Why would you like to hear stories? Nia Muleke from this campus, Gucho called village. Not seen world. Bahati wants story of far campus. J'ai gagné deux jades, bon. J'espérais gagner des sous, mais bon, ce n'est pas grave. Je suis pas sympa avec elle. Alright. Let me tell you something. Allez hop, on va essayer de lui faire l'ensemble. About pirates. Chi, pirates. Strange cuchos. Pirates do nothing all day but drink and lie on the beach. Bahati thinks pirates nice cuchos. Bahati no want trouble with pirates. It's probably better that way. Have strange voodoo. About other countries. Campas in other countries? There are many camps, campas, on all kinds of islands. Bahati wants to see other countries. And are there campas in other countries? Lots of them. Bahati only knows own country, own campa. About dangerous monsters. Bahati knows about monsters. Lots of spiders on Keela. This kabuki make work hard. Tell me something. About the spiders. Jungle dangerous. Kabuki. Enemies everywhere. Niashika only gather where is safe. But now nothing safe. Spiders everywhere. Gucho better take care. About your life. Each Keela has own work. Muleke, one like me. Gather berries and plants. Atonka protects Keela from kabukis or enemies. Atufa hunts with Shihoko, the spear. Animals to eat. And a Gucho has stupid questions. About Keela. Keela proud. Keela worship Gaia. Keela strong. But Bahati is asking you, are Guchos on the beach dangerous? As long as they have rum, they'll stay friendly. Nie Tosheka, Bahati hopes you're right. War not good for Keela. Gaia is bountiful. Guchos and Keela can live together in peace. If you say so.
Au revoir. Voilà, sympa de pouvoir discuter un peu avec les habitants de l'île. Du coup, je vais aller voir ce qui reste derrière le chef. On va se taper un petit sprint. Il y a toujours le truc qui vole, j'ai l'impression, en dessous. Ouais, c'est bizarre. Il y a un perroquet au-dessus. Peut-être qu'il y a des choses à ramasser sur les toiles au-dessus. Il y a plein de singes innocents dans le coin. What do you intend to do? Hunt? Singe innocent. What do you intend to do? Hunt? Quelqu'un qui dort ici. La question c'est qui? C'est Slim. C'est un prisonnier. Ok. L'expédition 4. Ok, on va commencer par lire ça. So what does it say here? Symbols of strength were sacrificed to Uxmal. The panther is one of the strongest animals. Uxmal must be a hunter, and his gift is the strong heart of a panther. I've already found the strong panther heart. Ok. What do you want, Kucho? I'm just looking around in your village. Gee, but never forget that the gifts of our ancestors belong to our people. Do not tempt the wrath of the Hike, otherwise you will share the fate of our prisoner. You may speak to him, but his tongue is full of lies. But enough palaver! Yalla, yalla! Et on va voir ce qu'il raconte de beau dans son bouquin, l'expédition 4. Et je suis un sacrifice, on va me sacrifier, j'en ai découvert trop. Pourquoi avoir poussé mes recherches? Maintenant ils me surveillent jour et nuit, ils disent que je servirai à une grande cause. Ce sont sûrement les derniers mots que j'écris. Nous nous reverrons. C'est triste. Damn it! What are you doing here? Why... Are you still alive? How can that be? No shit. Aren't you the guy who once sold Patty the treasure map of Crab Coast? I can explain everything. Ah, c'est trop fort comme phrase. C'est trop tard pour les explications, mec. Je suis mort à cause de toi. Allez-y, mais je vous préviens, évitez de vous foutre de moi. Then go ahead. But I'm warning you, don't fuck with me. I was given the job to fob off you and your girlfriend with this map of Crab Coast. I don't even know what kind of a creature it was that gave me the job. Whatever it was. It definitely wasn't human, I'm sure of that. It was a giant bag of bones that could speak. It told me that I would receive tons of gold if I did as I was asked. Honestly, what else could I have done? If I had refused, I wouldn't be standing here right now. I'm just a poor soul that had no other choice. You're in deep shit, my friend. I know I made a mistake, but you must help me. Why the fuck should I help you, of all people? Because there's no one else here who'll listen to me. They want to sacrifice me to their oracle. Speak to their chieftain. Tell him that they should set me free. What do you know about the oracle? I only know that it's one of their gods or something. But it doesn't matter. I don't want to die. Help me. Please. Where's the gold you were given to trick me? All gone. I was robbed of some and spent the rest on drinks. You see, I've suffered more than enough for my deeds.
I swear by my pirate's honor that I'd give it to you if I had any left. Honor? That sounds like a joke coming from you. I mean it, believe me! I'll talk to the chieftain. We'll see what he has to say about you. But don't forget to tell him that he should release me. I'll think about it. And don't bugger about. I got a wife and kids. Or I will do someday. Or maybe you won't. Man, don't just stand around here. Help me. On verra ça une autre fois. Du coup, il faudrait que je regarde au niveau des quêtes. Voilà, journal de quête. Qui l'a ? Autant rester prudent, Yamiti voudrait vivre avec les pirates sur la plage. Je ne peux l'y emmener tant que je ne serai pas certain que l'endroit est sûr. Le sentier de la guerre. Les indigènes du clan de Killa sont persuadés que les pirates ne peuvent amener rien de bon. Je dois convaincre Hirutu qu'ils sont inoffensifs. Une kini pourrait peut-être m'y aider. Un repas silencieux. Ixil m'a donné un paquet de provisions pour Baraka. Je dois lui dire que j'ai reçu de Muleke. Sacrifice humain. Slim est le minable à qui je dois ma fin prématurée. Toutefois, la vie n'a pas été tendre avec lui non plus. Il a été kidnappé par le clan de Killa qui compte bien le sacrifier. Pardon. Je vais tenter de convaincre le Shaka Hirutu de l'épargner, ok? Argenterie précieuse, ok? La confusion de Niol. On a eu un... Il a complètement perdu la tête, je dois comprendre ce qui se passe. Ok, et ça me disait que... qu'il fallait que je récupère un truc pour... Pour... La plante rare, j'ai déjà récupéré. Et bon, on va aller voir la carte. Parce qu'on sait déjà, je crois, qu'on peut pas passer... qu'on peut pas passer directement au nord par ici. Je crois qu'il va falloir faire le tour. Peut-être par ces grottes-là, je ne sais pas. Ce qu'ils disent au nord-est. Et j'ai déjà plus ou moins exploré ces zones-là. Donc je pense qu'il faut que je fasse le tour par ici. Pour atteindre cette partie de l'île. Je vois qu'il y a une grotte ici, là. Donc je dis que c'est peut-être celle-là ou celle-là qui mène. Bref, on va aller voir par là. Dans ces coins-là, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres petits éléments à voir. Et à chaque fois, ça rame. Here, a monkey bone and the black heart for cleaning. So be it, Kucho. Here is your black heart. I'd like to talk to you about Slim, your pirate captive. Talk? Ono palava, Gucho. The Guchos bring death, and they also deserve it themselves. Hirutu has no reason to trust them, and so the Gucho prisoner will be executed. Ok, apparemment j'ai vachement réussi à convaincre. Journal de pirate kidnappé. Hirutu n'acceptera de me parler de Slim, le pirate, que lorsque j'aurai convaincu de changer d'attitude envers les pirates sur la plage. Ok, d'accord. Bon bah du coup on va descendre. Et essayer d'aller voir ce qui se passe en bas. Je vous rappelle qu'on a une pierre de jade géante apparemment à récupérer quelque part dans le décor. Salut toi. Je ne fais que passer, ne t'occupe pas de ma présence. D'ailleurs j'aurais peut-être pu... On va récupérer avec les provisions. Boire un tonneau comme ça m'aurait permis de récupérer un minimum de vie. J'ai l'impression d'entendre des araignées se balader. Ah, il y a quelqu'un ici. Trèfle d'or. Empêche, ça fait un petit moment qu'on n'a pas croisé de coffre. À l'éthérée. Alors, qui es-tu? Raconte-nous ton histoire. Hey, glad to run into you here. I've been waiting for you. You're exactly the right person for my plan. Plan? I'll tell you all about it along the way. Along the way? Of course, along the way. Standing around won't get us any closer to the Great Temple. So, proceed. I will follow. Le casse-pied, le titre de la mission parfait, quoi.
Du coup... Oh punaise, des facos. Allez, Pumba. Ouais, c'est pas cool ça. Essayons, on tombe sur la famille de la jungle. Ah, allez. C'est bon, tout le monde il est mouru. There's the gate. The Forbidden Valley's on the other side. We've got to find a way to convince the guards to let us pass. Ouais, et ben, on verra ça plus tard, l'ami. Hein. Pour l'instant, j'ai d'autres choses à voir rapidement. Oh, il y a quoi par ici hein? Down with him. I'm going to make a hat out of your... Je me disais, ça brille, peut-être qu'il y a un truc à voir plus loin, mais en fait, que dalle. Come on, then. Merci pour les soins, cristal magique. Est-ce qu'on peut reparler au casse-pied ou pas? Hey, it's pretty here, don't you think? Is it so important you've got to tell me about it? I'm just saying, most people here don't even notice how pretty it is. But carry on, we got stuff to do, haven't we? N'importe quoi, comme derrière ma mère, pourvu que ça mousse. Capuchon sanglant, cristal magique, et apparemment je ne peux pas l'ouvrir, il est verrouillé un peu plus haut que ce que je sais faire. Est-ce qu'éventuellement je pourrais augmenter mes compétences? Dextérité, c'est pour le crochetage, non? Ouais, il me faudrait 6000 et ensuite combien? 7000. Oh allez hop, on y va, on se casse pas la tête. Hein. Donc normalement j'ai plus ce qu'il faut pour l'ouvrir. Et voilà, hop, un aller-retour, c'est fini. Mousquet en os, c'est pas n'importe quoi, ça, dis donc, tiens. Did I ever actually tell you how I became a pirate? I think you've mistaken me for someone who gives a shit. Now then, don't be negative. See, I never thought about being one. I knew nothing about the sea, boats, swords, women, fighting, rum, nothing. They don't matter. You'll soon see I have different qualities. What was I about to say? Nothing. Just keep going. Yeah, okay. We can talk about it again later. Wait a second. Who asked you to follow me? Don't worry. I'll act as lookout for you. I'll bring up the rear. And what if I don't want that? You won't regret it. I promise you that. You'll see. We'll all be rich soon. Fine, you can follow me, but don't give me any trouble, you hear me? You won't regret it. You can thank your lucky stars that you met me. I can get along with anyone, you'll see. Which temple are you talking about? The natives have a temple in the Forbidden Valley. It's just over there. Rumor has it that the person who enters first will be showered in riches. I suppose you believe everything you hear. Believe me, this is from a reliable source. You'll be grateful to me for this valuable information. Let's go to the temple, and you'll see. How do we get into the Forbidden Valley? Well, that's the problem. We have to go through the Great Gate in the southwest of the island. The freaking native guarding it will only allow people to pass if he deems them worthy. You should do what he says. Otherwise, we'll never get in. Ok, bon, on a accompagné votre Auguste, mais je crois pas que celui-ci se batte. On est où sur la carte, là, exactement? On est là, ok, donc faudrait que j'aille voir ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a dans ce coin-là aussi? Avant de me rapprocher véritablement de la porte. Bon, en tout cas, j'avais raison, il y avait bien un petit passage. Fallait le voir, celui-là, n'empêche. Le croco, il doit être mouru... Et j'ai pu récupérer sa langue. Là, on va placer un truc sur le téléporteur, ça va me donner quelques points. All right.
J'aime bien la petite musique qui se met en place quand on arrive à poser le système. Boire plus vin, c'est vrai que ça n'apporte pas grand chose par contre. Hein. Oh punaise, je suis désolé. Ils auront pas tenu bien longtemps les Faco là, hein. Il est où le second? Il est là. Merci, par contre on n'y voit que Chi ici. En imaginant qu'il y a un truc à voir, je ne sais pas où. Rien, 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 je ne vois rien de plus pour le moment. Bon bah c'est pas grave, peut-être qu'il y a un trésor à ramasser par ici, mais plus tard. Singe, encore un singe. Fleur de feu. Down with it. Tu m'as raté, Gus. Bon bah j'aurais tué un alligator presque tout seul. Oh punaise, je les ai pas vus. Aïe, aïe, aïe. Hé, Gus, quand tu... vois que tu frappes dans le vide, ne frappe pas deux fois. Cette manière-là, si tu sais que t'as attrapé dans le vide, ça sert à rien. Voilà. Je sais bien, le mec, il donne un dernier coup. Do you know why those pirates kicked me out? No, but I'm sure you're gonna tell me. Well, you know, I was popular at first, because I'm a decent sort of guy. Almost busted a gut working for them pirates. And what do those nasty bastards do? They boot me out. Just because I accidentally used the wrong bed. I mean, I was alone, of course. You used the wrong bed, right. Is that all? Believe me, I didn't do anything else. Honest. Come on now. Well, okay. But I wasn't done yet. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est bizarre ce gars-là. Du coup, encore des araignées. Ici, apparemment, il n'y a plus de croco. Punaise, tout ce qu'il y a là. I'm going to make a hat out of your skin. Let him have it. Les gars là. J'ai pas honte de me cracher dessus comme ça. Hop là, ok, ça c'est fait. Cela ne me donne rien. Cela non plus à première vue. Étant donné la vie qui me reste, ça sent pas bon à cette histoire. Oh punaise, mais il y en a partout. On va prendre un petit peu de rhum là parce qu'on va déjà aller tuer la panthère pour que Bonne soit tranquille. Mais non, mais c'est pas toi que je veux attaquer, mais quel quiche ce personnage. Ah.
Let him have it. Voilà, il n'y a plus de Minou, hein. Oh là, quel travail quand même. Le jaguar, enfin la panthère plutôt. Le jaguar, c'est ce qu'on vient de tuer. Ici, j'étais déjà passé. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à voir dans ce coin. Voilà, ça remène directement là où on était tout à l'heure. Nous sommes passés avec le gnou par ici. Enfin, le gnome, pardon. C'est eux qui s'appellent les gnous. Rien de plus par là, je vous avoue que j'y vois pas grand chose. Tout comme vous, j'imagine. Rien, rien. Attends, Baraka, laisse-moi 30 secondes, s'il te plaît. Tu retournes pas, voilà. Allez, Baraka, à nous deux. Takapo, Gucho. You do not belong here. The Forbidden Valley is taboo. Only few are allowed to walk this holy ground. He's pulling quite a face. Let's hope he's not cursing us. What's all this about a forbidden valley? It is the seat of our oracle, Gucho. The oracle must never be disturbed. The bad in this world pollutes her, changes her, affects her. We must keep her safe. Tell me more about the forbidden valley. Jungle is dense. Dangers are many. Our wisest Kiki has gone to the valley to see the oracle. She returns when time is right. Go to village to find out more about the Kila. From here, it is south. I have some provisions here for you. Sheku, a Gucho brings me something to eat. That is the job of Muleke. I'll help your Muleke distribute the food. Tawonga, Gucho. Baraka sees your good heart. It is good you take this task. Help our women. Hey, take this small kipawa. You're a sailor, right? Yeah, that's right. I thought so. Right when I saw you. The way you look, you know. I don't know much about seafaring, but I have a good feeling about you. So, I'd like to sail under your flag. When do we cast off? You should probably stay here and guard the island. Well, okay. But you'll be sorry if you set sail and don't come back for me. I'd never do that. Okay. Then let's carry on here before someone else plunders our temple. I want to go to the Forbidden Valley. Only one with ancient knowledge may enter hallowed ground. Or you will feel the Oracle's rage. Do you have ancient knowledge? Not yet. Return. When you are ready. Okidoki. Et j'aimerais bien quand même me souvenir d'où se trouve ouvrir la grande porte. Alors. C'est pas vrai quel imbécile de pirate a embauché ce taré de Mud. Ce type est un désastre ambulant. C'est un miracle qu'il soit toujours en vie malgré sa langue bien pendue. Je crains de ne pas pouvoir m'en débarrasser si facilement. Il est bien décidé à entrer dans le temple de la vallée interdite. Qui doit l'aider? Hein? Moi. Je refuse de le laisser monter dans ma barge. Mais ici, sur Kila, je ne peux pas l'empêcher de me suivre dès qu'il me voit. Je n'ai d'autre choix que de lui briser la mâchoire et de l'envoyer balader ou de faire ce qu'il souhaite. Sinon, il ne me lâchera pas d'une semelle. Ok, Alliance Pirate, ouvrez la grande porte, ok. Bon bah du coup, équipage, on suit d'ailleurs. Edouard, j'ai pas beaucoup de monde au niveau de l'équipage hein, pour le moment. Active, carte. On va essayer de se re-téléporter par ici. Thank you.
voix commence à ramer quand on passe par la carte. Je comprends pas trop pourquoi, hein, encore une fois. I have some silverware here. Thanks. I have some silverware here. Thanks. J'avais deux assiettes d'argent, nickel. Faudrait que je demande à Gus, là, du coup, si c'est bon pour le rhum. On va d'abord essayer d'aller livrer à Bidule Chouette, là. Who? What? What's going on? Here. Is this the plant you wanted? You found it. Excellent. This utterly inspires my senses. Now I can finally extract the elixir from it. Fine. I'll leave you to it. Wait, not so fast. Surely you'd like an adequate reward. Take this as a token of my appreciation. L'aventurier reçu 200 pièces d'or. Wow. I still have a few questions. Ask away. Have you ever seen a flower like this? Zounds, a Centaurea cyanus. This is very rare indeed. I must make a note of this in my records. Normally, I would ask you to leave this little gem with me, but unfortunately, I simply don't have the time to analyze another plant species. Well, maybe some other time. Thank you anyway. Sympa. Bon, on avait déjà vidé le reste. Du coup, on va aller voir où on est. Gnoll. Give me the rum for the pirates. Here it is. Tell the boys we'll meet them at the fire, and then come back and help me carry the rest over. Who wants rum? Everyone at the camp. The main thing is that you offer one to Harry, Quinn, Colby, Buddy, and this Cunningham. Got it. Ok, c'est parti pour la livraison. Faudrait que je me trouve un tonneau d'eau aussi, si possible. Meet me at the campfire. Will there be drinks as well? Here's a little taste of what's to come. Very nice. Who? What? What's going on? Here. This rum's from booze. Thanks, but I don't drink. Alcohol and my studies don't mix. All the more for us, then. Ça, c'est ok. Ensuite, on continue avec lui. Wanna drink some rum? Sadek always wants to drink rum. Give it here. Come to the fire. You can have even more. Sadek is already on his way. Want a rum? Always. Come to the campfire. We've got something to celebrate. I don't want to miss that. Ok, ensuite on continue. Bonjour. Here, some rum. That is a good use of water. Thanks. Come to the campfire. We've got something to celebrate. Count me in. Les autres, où sont-ils? Here, want a drink? So? Is there any more? Come to the campfire. Of course I will. Here, this is from booze. Is it over? Not really. Come to the fire and we'll explain everything. All right. Alors, est-ce que j'ai eu tout le monde? Here. Booze is buying around. Nah, keep it. Booze's rum isn't really my cup of tea. All right, it's your decision. Sending me into that jungle was despicable. What? Those pirates. They just chased me away. The ghoul. The jungle is dangerous. I could have died. Yeah, you could have. But you didn't. Oh,
At least someone feels sorry for me. No, I don't. Having good friends is important, isn't it? Enough talk. We have a temple to plunder. Alors lui ne veut pas. Ensuite, ai-je raté quelqu'un dans l'eau là? J'entends quelqu'un qui dort. J'avais déjà vérifié en dessous. Ça, c'est quoi ça? Rien. Attends, avant de repartir, toi t'es où? T'es qui? Push it off. Ok, toi tu veux pas boire, d'accord, j'ai compris. Un tonneau d'eau pour récupérer de la vie, ça peut être pratique. Ok, est-ce qu'il m'en manque du coup encore? To boobs. What was good? The men are gathering by the fire. Right. Let's celebrate with them. One last time! Does the rum taste good? What is the meaning of this? Why is nothing happening? Look around you. These are your comrades. They want to drink with you. You tricked me! That was no poison! Poison? What poison? He wanted to give us poison. You! All of you should be dead! Can you hear yourself? Nobody's your enemy. Wake up! No, that's not true! She knows! She told me! She? You must be out of your mind. Who is she? You don't understand! No! Betrayal! Everywhere! You're to blame for everything! I'm gonna kill all of you! Shut up! I'm gonna beat that spell out of you. Come here, then! You're not gonna stay! T'en veux plus? Get a move on! Allez, vas-y, continue. Racaille! Knock him out! Et sans frapper, je vous prie. Back for more, right? Teach that bastard a lesson. Tu me regardes, mais tu fais rien, hein? Ah, Raka Tonka. Oh. Tiens, va pas toger dans l'eau un petit peu cette fois-ci. T'en veux encore un peu? J'attends, en fait, je trouve ça plus rigolo de me dire que je m'en fous et que je lui rends ses coups. J'aime bien la riposte. Je trouve ça tellement cool. Dans un combat comme ça, le mec veut faire le malin et nous on esquive juste ses coups et on le tape. Je trouve ça génial. C'est tellement rigolo. C'est comme jouer au chat à la souris. Quoique non, c'est un petit peu différent. Bon allez, fais quelque chose, bonhomme. On va pas rester là comme deux schtroumpfs l'un face à l'autre à attendre que tu frappes. Ah, yalla. T'en veux encore? Bon, je suis désolé de te frapper. Mais en même temps, c'est toi qui arrête pas de... En plus, je me fais soigner. Ah, c'est beau. Et il est juste inconscient avec ça. Where are we headed, anyway? I don't know yet, but you'll find out soon enough. I just wanted to be sure. You never know what's lurking in the jungle. Did I ever tell you about being chased by a duck? No, you didn't, and I am not interested. Well, you don't have to get all Auntie Mary on me. I'm just making sure we're safe. Fine, do that. But keep your mouth shut. I need to concentrate. Well, why didn't you just say so? I'll be as silent as a corpse. Alors, il est où, Gnoll?
was dying. So, how are you? Who? What? Where am I? How much do you remember? We traveled to Kilo with Patty, and then darkness. What happened? You were in a bad way. Looks like the rum, followed by a good thrashing, helped. Oh, my head! You should sleep. It's probably the best option. I'll think about it. You handle the thing with booze like a real expert. It was easy. Precisely. That's why you're just the right person for another favor. Ever since we anchored here, I can't stop thinking about the native women. And I said to myself, Harry, I said, this new recruit, he'll sure be able to give you a helping hand. If it's that important to you, I could look around for a wife for you. Really? Great! But she must be young and pretty. Yeah, I wouldn't be too choosy if I were you. Well, I'm just saying, because... Yeah, you must know what you're doing. Fruit interdit. Ok, est-ce que t'as quelque chose de beau à me raconter, toi? Don't worry about booze. That's been taken care of. So, booze does not need Sadek's help any longer? Don't think so. Good. Sadek looking forward to feeling real deck under feet. Come with me. I want you on my crew. Good. Gucho has a ship? I still don't have a ship. Just a sloop. Then Sadek will wait until Gucho is ready. Come back when you have a big ship. Then Sadek will sign up. Ok, un grand navire. C'est bon, tout le monde me suit encore là? Ouais, nickel. On va essayer de parler vite fait aux autres, là. Pour voir s'ils ont de nouvelles options de dialogue. Ready to throw knives? Sure, but you can't beat my throwing arm. Let's go! Go! Je sais plus comment ça fonctionne. Practicing in secret, were you? Okay, d'accord. That was bad. Ah ouais, effectivement, c'était mauvais ça. C'est sympa ce principe. J'aime bien les mini-jeux qu'il y a dans ces jeux-là. Enfin, dans ce style. On rigolait, mais hein? Yeah! You're gonna lose it any minute now. 10 points. Mince, pas assez fort. Mais quelle quiche! Une véritable quiche, là. Je vous avoue que c'était moche. Bon, j'espère qu'il va pas le mettre... Ouais, c'est bon. Il suffit que je marque un point et ça fonctionne. Vous avez gagné. J'ai gagné quoi? Shit, you won. Here is your prize. And just because you've beaten me for the first time, we'll have a drink. Then you can really savor your victory. Un bon passe-temps, gloire plus sang. C'est bien, je termine des quêtes comme ça et je m'en rends même pas compte. Hop là, alors y a-t-il autre chose à voir de ce côté-là?
lui, il faut que je ramène une femme, on avait dit. Donc on sait déjà où la trouver. Ah, des poissons. On va tout faire frire, voilà. Effectivement, des poissons. I have no meat to roast. I have no meat to roast. Nickel, là c'est qui? Red. What's the matter? Your feet nailed to the floor? Fuck off! Ok, il est pas content. Bon, du coup, on va retourner rapidement dans l'autre zone. Là, ça c'est quoi? Instruction de résistance. Ok, d'accord. J'aimerais bien quand même arriver là-haut à un moment ou un autre, mais ce sera pas pour tout de suite. On va aller ici. On courir un petit peu. Avant de couper la vidéo, il faut que j'aille parler à la demoiselle qui était en bas et qui voulait aller voir les pirates. Je crois que c'est celle qui... Natives live here, by the way. They call themselves the Keeler. C'est bien. Same as this island. Isn't that funny? Hilarious. I wouldn't have noticed if you hadn't said anything. I was just saying. You have to really watch those little guys. Before you know it, you'll have a spear up your ass. Just shut the fuck up and let me do it, okay? I just wanted you to know. I'm right here when you need me. Right. I pack a punch too, when necessary. I can show you if you like. Leave it, I said. You'll just get yourself hurt. All right. Maybe later. On va lui demander quand même. Could it be that you're the big mouth in this camp? Makoto has no big mouth. Makoto's stronger than Baraka, smarter than Tenya, quicker than Tadashi. Right. If I next Chaka, we Killa will be strong and fight all Guchos. I can see already that nothing will come of this. Jala! Jala! Or Makoto get angry. Ouais, c'est ça. Mets-toi en colère, bonhomme, tu vas voir comment on va te le rendre. On va passer par ici. Oh, feignasse, fais l'effort de courir un petit peu, là. The pirates on the beach won't be a problem anymore. You still want to join them? Chi. Fine. If we're gonna run, we'll do it at night. They don't need to know what we're up to. Follow me. I'll take you to the pirates' camp. Capo Camille y Makoto. Don't worry. I'll make sure your guards don't see us. Mi amiti ono meleke. Quiet. Don't draw attention. We better avoid the guards. Je suis en train de me dire, on est 4 dans le groupe, mais ce qui peut être rigolo, c'est de faire comme ceci, puis ça se trouve comme cela. Et voilà. Gucho, mi amiti, Hoshi, his friend. Alright, you seem satisfied. Gucho halima, mi amiti, tawalele kipawa. You want to give me something? Thank you. Take care of yourself. Ça c'est fait. On va aller dire à Gus Gus là qu'il y a... Peut-être que c'était pas celle-là dont on parlait en fait, il y en a une autre qu'il faudrait ramener. What do you think of Miyamiti? That pearl of the southern seas you brought here? Yeah, her. Sipping rum with her under the palm trees, being pampered day and night? Trust me, that's not how things would be with her. Then help me, I'm a total failure when it comes to sweet-talking the ladies. Could you get me a flower or something? A blue one would be best. The ladies will love it. All right,
I'll get you a flower, but you better do the rest. It's a deal. Ask Cunningham about the flower. He can barely hold a sword, but he knows all about plants. Here's your flower. Now go off and court her. Max, today's my lucky day. Here, this is for you. You earned it. C'est quoi que j'ai gagné sinon? Mi amiti Tosheka. Happy. Hello? Capucheco? I'm blue. Well, I meant blue flowers. I have some for you. Uomba! Kuchu meleke kipawata mi amiti. Quite right. Me and you, how about it? Is that a yes? Oh, wow! This is unbelievable! Mi amiti Tosheka. Happy. Oh ben voilà. On a fait une bonne action. Enfin, je crois. Je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Bref, c'est beau. Si seulement ça pouvait être aussi simple quelquefois. Donc, en tout cas, on en a 56 minutes passées, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, puisque nous allons nous arrêter ici. Hein. Nous, on se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, encore une fois, en particulier à Péline, qui, je rappelle, m'a offert le jeu pour Noël. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives, n'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog itisson3.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut !